Accrochez-vous bien sur votre chaise, mes amis, car aujourd'hui, on va défendre l'honneur d'un agent de sécurité blessé, plus précisément un agent du casino Diamond. Hey, salut tout le monde, ça c'est l'éponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur GTA V Online pour le DLC Clicking Bell. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas votre meilleur pouce bleu, de commenter, de partager cette vidéo. Et puis toi qui passes par là, qui n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis bon visionnage à toutes et à tous. Mission Caisse Noire. Winnebah is going inside. Not with your reputation for depravity and general aversion to the law, in all seriousness. Your countenance is quite discernible, and there are certain of my consociates who would take it upon themselves to exercise their right to lethal force were they to encounter you in person. But it's good to cross paths with you again, my friend. After head of security at the Diamond, this isn't exactly what I had in mind, but it's still a long way from a mall cop, right? Let's take a walk. Relax. I'm a cop, but I'm not a cop. This is just where the universe put me right now. I mean, I have my path and you have yours. And quite frankly, I don't give a damn about your antics out there. In fact, we may be able to assist each other. I mean, check this out. You see that misguided individual? How do you think he's gotten away with selling drugs in front of that burger shop very conspicuously for 10 years now? In front of the largest department in the city. He cuts them in. Effenberger, you copy? Yo, Effenberger. I copy. Worst last name ever, dude. I mean, Effen what? Anyway, when you got five, we all need some Effen coffee down here on Dick's. And don't forget the Effen cream and sugar. Copy that. One of these motherfuckers. Huh? I'm out here getting coffee for cops on the take. And that guy over there is only a modicum of the issue. There's a new cartel running a large-scale cocaine operation out of the Cluck and Bell factory in Palito Bay. And being no doubt, the cops, they're not only turning a blind eye, they're actively facilitating. If you ask me, the cartel and the cops can both go to hell, preferably on the back of the same bullet. I'm talking about a surgical strike, man. Taking out the whole operation. That's why I came to you. Let's go somewhere a bit more unfrequented. I understand your motivation in these matters. If you raid that factory, anything you find is yours to keep. This isn't about the drugs for me. This is about these assholes running the biggest protection racket in the state. That's the kind of status quo I cannot abide. As far as my part, I can provide all the intel you need. Records, names, locations. We will need to educate ourselves on the factory, though. Gather materials so you can attack it with style and aptitude. Ding fucking dong, Officer Effenberger. We're effing falling asleep over here. Get us some effing coffee. Copy that. I'm on my way. Think about it. If anybody deserves to be fucked with, it's these guys. Can I count you in? Excellent. Now on to the first order of business. Acquire some funds. And fortuitously, we have files on some money laundering operations not far from here. The department allows them to operate for a share of the profits. I suggest we take a more proactive stance. Time to do what you do. I'll call you. Let me take these fucking assholes their coffee. C'était magnifique cette conversation. I'm sending you the locations of our targets. All of them up to their necks in stolen cash. Consider this as a double investment opportunity. A chance to raise the funds we need to go toe-to-toe with a cartel cop coalition. And as a bonus, you get to disrupt some of your more unsavory competitors. Not to mention, you'll land yourself a handsome reward when this is all over. I hope life's treated you well since we last worked together. I say that because you have an indeterminate expression I find hard to read. I can't tell if you're elated or dejected. I respect that. It's very enigmatic of you.
you at? Holy crap. Ah, je dois les attaquer. Allez, c'est parti. Allez, je vais changer d'arme parce que sinon j'aurai plus de balles. Ils sont combien hein, qui vont venir là? Il y a combien qui vont venir? Allez, je vous attends les gars, je vous attends. Je vous attends. Je suis prêt. Bye bye. Il est où l'autre? J'ai fini pour lui. Il y a du monde? Non, il y a personne. Ah si. Ils étaient deux. J'avais pas vu. Allez, un petit encart tranquille. Santé, munitions. Ok, encart. C'est parfait. Ah, il est pas encore mort. Ah non. C'était un mec qui sortait de nulle part. Faut que je me méfie, moi. Heureusement qu'il n'était pas lourdement armé. Voler l'argent. Ah, c'est fausse monnaie, ça. Allez, plus rapide. Vite. Là, on a eu combien là? Je sais même pas. Fonds volés. Ah, donc il faut que j'aille dans chaque entrepôt pour voler les fausses monnaies. Là, pour l'instant, ça va. Hein. Il n'y a pas eu de complications. Allez, rendez-vous de l'autre côté. Ah, je suis perdu là, je me perds. Ah, elle est là, la sortie. Ah! Non. Cours! Vous m'aurez pas. De toute façon, je pense que j'ai le temps de le terminer avant de m'enfuir. Mais est-ce que je dois pas faire attention quand même au. Au nombre de billets. Allez, touchez. Bon, qu'est-ce que j'attends pour les. Ah, c'est bon. Ah, il faut que je me casse parce que. Un nombre infini, je pense, le spawn. Allez. J'ai un petit truc pour vous, les gars. Allez, prenez ça. Voilà. Au revoir. Allez. Ah, je pense qu'ils sont au courant ici. Ils étaient au courant. Je vais tous vous fumer, les gars. Rentrez chez vous. Je vous ai dit. Wow. Ils sont venus à l'autre côté. Faut que je rentre dans ma fourgonnette parce que.
La fourgonnette qui est pick-up plutôt. Yeah! Ah, ils sont nombreux. C'est le dernier, je peux rentrer enfin. Attendez, hop, je vais prendre un petit encas. Heureusement que j'en ai plein maintenant, hein. Parce que sinon, ce serait impossible de terminer. Il y en a d'autres? Non, c'est bon. Ah, il y en a un ici. Voilà, bon, il faut que j'arrête de traîner. Donc, comme d'hab, deux. Ici, il y a un troisième de l'autre côté. Derrière la porte. C'est bon, je l'ai eu. On me fait qu'une fois, les gars, pas deux, hein. Allez. Plus vite, plus vite, plus vite. Go, 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 go! C'est bon pour cette machine. Passe encore deux machines. Allez, allez, allez. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, 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 allez. Ah, ça doit être lourd tout ça, hein. Le dernier. La dernière machine. Qu'est-ce qu'elle fait? Des fois, mon personnage, je sais pas ce qu'il fait, il a un cerveau qui bloque. Allez, 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 on est presque plein. Le sac. Il reste encore un dernier ou c'est comment? C'est pas. Je comprends pas là. Vous avez volé l'argent du lieu B. Ok. Lieu B. So while you're hard at work, allow me to explain some of the background to our endeavor. A few months ago, a new cartel arrived in San Andreas. They came up with a pretty smart plan to get their operation up and running. Pay key employees at Cluck and Bell to look the other way, while they use their distribution network to move large amounts of cocaine. The factory up in Palito Bay is pretty much a giant processing facility for the cartel. Every other Cluck and Bell van you see in town has a brick of coke under the Mega Mills. And of course, corrupt elements of the LSPD were only too eager to get cut in. Ingenious, right? Well, they think they got this whole thing sewn up. And that's where we come in. That was some admirable work, officer. Livrer l'argent à l'entrepôt Vincent. Ça y est, je suis arrivé. Once upon a time, it was an FIB facility, then LSPD for a while. Now it's disused and wonderfully off the radar. A perfect storage locker for our operation, in my strictly humble opinion. J'ai bien fait de prendre un pick-up en surgent parce que sinon je m'en sortirai jamais, quoi. Mission réussie. Yes. Hey, it's me. That was a lucrative effort. This is a solid fund to use on the rest of our planning efforts. The first leg of which I'll get to work on right now. I'll be in touch. Et voilà mes amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas aussi de mettre le gros like, le gros pouce bleu pour récompenser cette vidéo. De commenter, de partager. Et puis toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!